Ça fait 2-3 ans que j'ai un projet dans la tête, c'était de créer un salon et ça me paraissait inaccessible, impossible. Puis bon, je me suis promenée un peu à droite à gauche et puis j'ai vu qu'on n'était pas obligé de faire des énormes salons et que faire des tout petits salons, ça pouvait être très convivial. Je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi pas te lancer dans cette aventure? Et j'avais inscrit une date et je me suis dit maintenant, ça y est, tu as quelques mois pour faire ce salon. Et tu vas en parler autour de toi. Et puis, au fur et à mesure de cette aventure, j'ai rencontré des très belles personnes qui sont venues participer à la création. L'idée, c'était vraiment de dire, il existe tout près de chez vous, en fait, à côté de chez vous, des praticiens qui peuvent vous apporter ces réponses que vous pouvez être amené à chercher. Mauchon est un village très agréable, c'est un village à la campagne aussi, donc je trouvais que ça s'encadrait bien dans le bien-être. Et du coup, c'était aussi de montrer qu'on pouvait faire des petits salons locaux qui sont peut-être beaucoup plus intimiste ou la proximité peut-être beaucoup plus facile. Et puis pour moi, c'est une initiation aussi peut-être pour des gens à qui ça donnera envie peut-être d'aller aussi dans d'autres salons et d'aller découvrir d'autres techniques. Sur ce salon, j'ai souhaité réunir 20 praticiens. Alors nous avons des praticiens de Reiki, des praticiens de massage, massage assis, des praticiens de Shiatsu. Nous avons également des praticiens de Feng Shui, nous avons des conseillers en images, une jeune femme qui est conseillère en images, la réflexologie, la naturopathie, du décodage biologique aussi, parce que c'est une approche qui est assez mal connue, la géobiologie et la radiesthésie, les soins énergétiques, une entreprise qui s'appelle Jura Météorite, qui vend des pierres, de la lithographie, qui vend des pierres de soins, des pendules, etc. Voilà, ce sont des gens qui sont dans le cœur, dans l'amour, dans la présence. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans leur boutique et j'ai vu qu'il y avait des gens qui restaient des journées entières dans leur boutique à chercher des conseils, etc. Et j'ai beaucoup aimé cet accueil, ce concept-là. Par contre, ce qui est important, c'est que toutes les personnes qui seront sur ce salon, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ne font que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier en plus, parce que je pense que ça demande un vrai investissement. Et un des points qui a été très important dans l'investissement de ce salon, c'est que chaque praticien soit lui-même suivi. Puisque pour moi, la vie, c'est un parcours qui ne s'arrête jamais. Plus on grandit, plus on évolue, plus on se libère nous-mêmes hein, de difficultés, plus on peut aider les gens et avec beaucoup plus de profondeur. J'ai souhaité aussi qu'il y ait des créateurs qui soient présents et qui soient dans le sens de l'écologie. Et alors il y a EcoWash aussi qui est venu parce qu'il fait du lavage de voitures sans eau, donc je trouvais que c'était intéressant de le coupler au bien-être. Il y a aussi une jeune femme qui fait des bijoux à partir de récupération de capsules Nespresso, donc j'ai trouvé l'idée intéressante, riche, créatrice, récupératrice, donc ça je trouvais ça très bien. Et puis un jeune homme, Alexis Comery, qui fait des meubles, des présentoirs en carton, et je trouvais que l'idée était très sympa. Il y a toujours une ambiance dans un salon et là on sent vraiment quelque chose où les gens sont très professionnels. On est dans le haut de gamme du bien-être là. Dans ce genre de salon, c'est une demande des gens qui sont en ouverture métaphysique et spirituelle, peu importe les mots parce qu'ils sont limitatifs, mais les gens veulent sortir d'une société qui ne s'occupe que de consommation quand c'est le cas, donc il y a une grosse demande, une grosse ouverture spirituelle, d'authenticité, d'autres choses, d'autres sens à la vie. Et là, ça correspond tout à fait à cette demande qui est de plus en plus générale. C'est vrai que à Paris, bon, le salon est plus grand, bien sûr, mais il n'y a pas cette proximité. On rencontre des praticiens. Cependant, on ne peut pas forcément aller les voir puisque ils ne sont pas à côté de chez nous. Donc là, l'avantage, c'est qu'on rencontre des gens qui sont autour de nous. On découvre des pratiques que les gens ne soupçonnaient même pas.
ça nous pousse nous-mêmes en tant que praticiens à s'intéresser à d'autres choses, à voir d'autres aspects du corps ou de l'esprit. Hein. Sur ce salon, j'étais étonnée, parce que bon, on a fait plusieurs salons avec Dominique quand même. Sur ce salon, j'étais étonnée de voir du monde dès le matin et puis des gens vraiment qui posent des questions, qui pas que des curieux, quoi, des gens qui sont vraiment intéressés. Véronique Orazi a fait le choix de ne prendre que des gens qu'elle connaissait, donc avec qui elle a forcément échangé. Donc du coup, je pense que c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans une lignée professionnelle. Les gens ont été très sensibles aux couleurs, sans savoir que c'était forcément Feng Shui, hein, parce que c'est pas que des initiés qui viennent là. Donc ils ont été hyper sensibles à la décoration, en disant ben voilà, c'est plaisant. Nous avons été agréablement surpris, puisque le public est venu très nombreux, et j'ai même vu le deuxième jour des personnes qui étaient déjà venues la première journée, revenir en famille, ou revenir... profiter de soins bien agréables qu'ils n'avaient pas pu faire la première journée. Donc je remercie en fait les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure, dont Natureo qui nous a offert des lots pour une tombola gratuite. C'est des gens qui nous ont accompagnés aussi dans le projet en trouvant l'idée intéressante de pouvoir réunir des praticiens sur un même site. La mairie d'Étréchy qui nous a permis de qui nous a prêté des cloisons, tout le matériel pour pouvoir en fait honorer ce salon professionnellement. Et puis la mairie de Nogent qui nous a permis et prêté sa salle pour le week-end. Le salon du bien-être, c'est le début d'une aventure. Nous avons l'intention de faire perdurer en fait cette association au travers de conférences que nous allons organiser dans différentes villes du 91, de réunir différents acteurs, donc peut-être faire des micro-salons, c'est-à-dire une échelle beaucoup plus petite, mais au travers de thèmes donnés, de pouvoir faire se rencontrer différents praticiens et permettre au grand public de pouvoir voir effectivement quelles sont les possibilités par rapport à leurs demandes.